C'est un des très gros projets et surtout un des projets les plus complexes parce qu'on a dû faire la jonction du côté français par une route, un tunnel qui est construit en dessous des rails du chemin de fer. Et c'est quand même une belle réussite au niveau d'ingénierie. Mais il faut aussi voir ce projet comme une partie seulement d'un concept global. C'est-à-dire, il ne faut pas maintenant s'attendre des miracles à partir de ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. Ça va améliorer déjà la situation. Mais il faut voir ce projet intégré dans d'autres rattachements du réseau routier aux autoroutes et surtout aussi du développement des transports en commun, c'est-à-dire des projets supplémentaires qui vont se rajouter là-dessus.